Eh bien salut tout le monde, c'est Darkfighter du 78, donc pour une nouvelle vidéo de World of Tanks sur la nouvelle interface qu'ils ont fait pour les 2 ans. C'est vraiment bien fait je trouve, ils ont fait des gros efforts. Là on peut voir l'avion qui passe avec 2 yards marqués. Je sais pas si vous le voyez, là il passe. Bref, là n'est pas le sujet. Là le sujet qu'on va rentrer dans une partie. Enfin rentrer dans une partie, lancer une partie. Pas beaucoup de joueurs hein, c'est les 8h du mat. Ah voilà, c'est cool, j'ai de la chance, c'est super. J'ai peut-être un petit peu, ouais je vais souffrir tout court, surtout le T14 qui va me faire mal et les chasseurs de chars que j'ai pas une très bonne défense non plus quoi. Donc voilà, donc on va essayer d'expédier ça le plus vite possible pour que je puisse faire une autre partie avec vous, avec un de mes chars, qui sera sûrement le Hetzer, car j'ai besoin du Hetzer pour le stock 3. En sachant que le BT7, je n'ai plus besoin de jouer avec, mais je vous le fais quand même pour les épisodes de scoutisme. Parce que il me suffit, là j'ai le T34 disponible, il suffit que j'ai un peu d'argent. C'est pour ça, là 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 là. C'est toujours trop fort. Non, peut-être pas. Si, ça va être bien. Ok. Si, c'est pas mal. Si, c'est parfait. Je ne lag pas. Je ne lag pas. C'est parfait. Putain, le T50, je me garde. Le T50, il peut me faire très très mal. Hein. C'est quoi le point de chat dessus? Il m'en a pas. J'ai la radio maximale. Hein. Je suis censé détecter tous les ennemis. J'ai chaud mon cul. Un dirigeant, tire. Oh, allô, gentil. Bon, les artilleries sont détectées, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai pas vu que la limite de map était là. Mais c'est pas grave. Voilà, donc on expédie ça, maintenant on est parti avec le Hetzer, j'ai 2400 points, on est parti, non non non, oui si si, allez on est parti, on fonce, c'est parti, oui, on est parti rapidement. J'ai trop dit parti. J'ai jamais de chance, regardez avec quoi je tombe ou quoi. Soyez un peu sérieux, alors L44. C'est pas sérieux ça, j'ai demandé sérieux. Mais c'est pas sérieux ça. Non, ça c'est tout sauf sérieux, regarde, il y a de Panzer 4, je vais rien faire moi. Bon d'accord, je peux peut-être one shot le T28. Bon, quand même quoi. Je peux peut-être one shot le LCAMX aussi, le T34. Et bon. Oui, je sais, je peux les one shot. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois hein, quand même. One shot un T34 et un LCAMX, je les one shot 2 fois. Avec ce canon là, donc ça donne pas mal d'XP ce canon sur le Hetzer. Donc sur Live Ox. Ce que je vous conseille avec ce canon du Hetzer, c'est tout de suite passer par là et aller camper sur les rails en attendant les ennemis que je t'avais pas vu. Oh merci.
Ça c'est gentil ce qu'il a. Et deux LKD mais totalement différents. On voit que le Anar Chronox là, celui que je visais, il a un énorme canon. Parce que le L4, faut le dire, son canon, il déchire. C'est comme ça que je veux l'avoir le L4. Il est trop bien. Je crois que c'est Jackson et L4. Ah, parce qu'en plus il va vite. C'est vraiment l'avantage de ce char. Là, le LDS il va super vite, il va plus que mon header alors que j'ai tout amélioré sur le header quand même. Bon là, ouais là on était mauvais. Parce qu'on a. Il n'y avait que des chasseurs de chars. Donc là on était mauvais sur ce coup-là, mais on va se rattraper. Alors le T3485, je connais ses désavantages. Je sais où il faut tirer. Non shoot, non shoot. Thanks. Ok, donc là je vois la base ennemie déjà. Je sais pas s'il faut le L4. Qu'est-ce que tu fais l'artiste? Ah d'accord, si c'était programmé, je suis d'accord. Alors là, l'artiste c'est chaud. Oh, c'est une artiste qui la shot ce gars. Voilà, sur un L4, 300 de dégâts, moi je dis c'est pas mal. Par contre il a une canne de tir de merde. Ok, j'utilise pas un obus, je crache pas un obus moi sur un L4. 72 voilà. Parce que moi je joue plus les dégâts, hein, il faut le savoir. Ok, retour à la base. Défendez la base. Ok. Chenille HS, on peut plus bouger. Radio endommagée. Perte de signal radio. Évidemment, là j'ai vraiment pas de chance. Le moteur il est juste à l'arrière, mais il tuera à la fin. Bon d'accord. Donc voilà, petite vidéo. C'est cool, 10 minutes, allez.
On va se laisser là. Et moi je dis à la prochaine. Ciao tout le monde.